road's ready. Et bonjour à tous, c'est Dimway, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Magica. Je suis en compagnie de Skiway. Comment ça va, Skiway? Salut, ça va bien et toi? Bah ça va très bien. Et Dalmout, comment ça va, Dalmout? Ah, je suis pas content, on n'a pas eu de fromage, hein, je suis vraiment déçu. Ouais, c'est vrai qu'on nous a laissé un peu sur le carreau. Merci, merci pour le brûlage. Putain, j'hallucine. Non, j'ai rien fait. Oula. Ah, tu vois, je voulais tester en fait si l'armure de pierre bloquait. Bon, hé, vous pouvez arrêter là? Allez, on se calme, les enfants. Je crée la pluie, les gars. Oh, c'est classe. T'as vu ça? Allez, on est parti, on progresse dans l'aventure. Ah, une pierre unique. T'as des vikings. Alors, putain, il y a un mariage à côté de chez moi, je sais pas si vous entendez les klaxons là. Je crois que c'était dans le jeu. Oh putain de merde. Bah, j'habite à côté d'une mairie. C'est la merde tous les samedis, mec. Alors. Donc, on va aller voir la bonne femme. Putain de mariage. Ok. J'adore comment il parle. Alors. On va leur faire un petit mur. D'ailleurs, la quête, ça fait penser à Baldur's Gate. La oh putain, t'as vu nos feux, ils se mettent ensemble. C'est le pouvoir du friendship. Merde. J'avais la... Oula, attention les gars. La quête, ça fait penser à Baldur's Gate. La première quête de Baldur's Gate, c'est nettoyer des rats d'une cave. Alors, voyez par exemple, si vous vous mettez une protection de vie, personne peut vous soigner. Exemple, vas-y, mets-toi une protection, Almut. Ouais. De vie, hein. Ça y est. Alors, je suis immunisé au soignage, c'est super utile. C'est ça? Exactement. Voilà. Alors, je sais pas s'il y a des ennemis qui nous frappent en nous envoyant du soin. Ou peut-être contre les zombies, je sais pas. Je sais pas du tout. Bon, allez, on progresse. Non, c'est pas par là. J'ai cru que ouais, soigner les zombies, ça les blesse. Ce qui est logique. Quelque part. Ah, on commence à voir un petit peu de peuple. Alors, attendez, les gars, je vais faire une pluie de météorites. On va envoyer du lourd. Ah non, on va tester la graisse. Faut que je me rappelle, je sais plus à quoi ça sert. Bah à mon avis, si tu mets de la graisse et que moi je mets du feu derrière... Ouais, je pense, ouais, je pense aussi. Il doit y avoir du... Oui, ils sont bons, ça y est, j'ai mis de la graisse. Ah non, j'ai pas mis de graisse. J'ai mis de la flotte. Putain, j'ai tué personne. Bah, il est efficace, du bruit. Ça t'apprendra à être médisant. Alors, attends. Célérité, plus de météorites, ouais. Faut que j'arrive à le retenir. Allez, on progresse les gars, on avance, s'il vous plaît. Ouh, flash. Ok. Je peux pas aller plus vite que ça, je me garde un petit pouvoir en réserve. Pardon. Seriously, need to cast a rock run. Ah, Helde, Gibjorn, Moody Carl, Vispet à la bêta fra. Il a l'air sympa. Ouais. Bon, et bah écoutez, normalement, nos potes ils sont censés temporiser le truc. Mais moi je suis un ouf, moi. Ah là, il est mort. Eh, propre ou quoi? Vas-y, on a buté tout le monde. Ah bah, tous tes amis sont morts, hein. Un petit peu. C'est de la pastèque ou de la citrouille sur le chariot, les gars? Il y a les deux, je pense. Hein. Allez, c'est parti. Je sais pas où on va. Par et contre, bah. on va se retirer les protections parce que sinon on va aller à deux à l'heure. Comment tu fais? Bah en fait, il faut que t'en mettes une autre. Mais qui soit pas en pierre. Ah. C'est tout. Voilà, okay. Comme ça va plus vite. Et oubliez pas d'activer votre sort de célérité. Bon, pour le moment...
on débute, mais... On a fini le niveau, ça fait plaisir. C'était extrêmement dur, hein. c'était épique. La bataille, des soins... Attendez, parce que le niveau du jeu est vraiment très très compliqué. Allez, on se tait. C'est ainsi que nos intrépides magiciens commencèrent leur quête. Ils bravèrent les périls du monde sous l'égide du beau et fringant Vlad, qui n'est pas du tout un vampire. Mais alors qu'ils approchaient de la forêt de Fornskogur, il devenait clair que quelque chose de magnifique se préparait. Ok. Allez, on est bon, les gars. Merde. On y va. Pensez vraiment à faire ça. Ça, c'est vraiment le must. Hein, pour le soin. C'est quoi ça? Je suis bouclier. Tu fais bouclier et vie. Attention des ennemis. Oh putain. Tiens, regarde, on va faire un truc. On va faire un truc. Laissez-le en vie et tirez sur moi. En laser arcane. On va l'avoir par ricochet. Vas-y, je suis prêt. On est bon. Tiens, viens là, Skiway. Allez. Oubliez pas de vous sécher si vous êtes mouillé. Ouais. Alors attends. Hop. Oh. Oh merde, faites gaffe les gars. Ça peut être. Il y a un bouquin là. Ouais. En fait, il est coincé, il est complètement bugué. Putain, tu... Tiens. Tu passes devant mes balles. Ouais, il y a un bouquin, je vais le récupérer. Vas-y. Hop. Et t'as une citrouille aussi. Je sais pas si c'est. Alors, on a appris pluie. Donc pluie, je vais vous montrer le sort. Merde, je l'ai réussi là? Non, je l'ai pas réussi. Ah, je... Attends, tac, tac. Ah non, d'accord, faut faire deux fois eau. Ah merde, non, c'est pas ça. Attends, c'est eau et feu. Voilà. Donc bien sûr, l'idée de la pluie, bah, c'est que ça va normalement éteindre le feu, normalement. Et donc en gros, l'idée, c'est que dès que la pluie est arrêtée, le premier truc à faire dès que la pluie s'arrête, comme ça va nous faire une petite combinaison, on saura pour après les gars. Se sécher et ensuite, donc on se sèche et ensuite je balance un sort d'enculé s'il y a des mecs par exemple autour de moi du style celui-là. Ah oui. Par exemple. Sachant qu'il y a une autre combinaison de sorts, en fait on peut faire des explosions au sol, je sais plus du tout comment on fait. On peut également parer les coups. Oh merde, oh, putain les gars, je me suis trompé, désolé. Oh là là. C'est ça. Eh, efficace, hein. Pika. Allez, la combinaison, les gars. Prêt au fight. Moi, je fais même ça, moi, je suis un fou. Ouais, il y en a un derrière. Eh, mon gars, je le coupe ou pas, le fromage, là? Allez, on progresse. Point de contrôle atteint. On y va, les gars. Ah, venez. Ah, vous êtes baisés, là. I believe I can fly. Merde, c'est mort. Est-ce qu'il reste, s'il vous plaît? Ouais. Voilà. Ça fait très très, très Steel Viking avec la... Ouais, complètement. Ça sent le troll, les gars. Ok, alors attention, ceux qui ont des sacs, ils lancent des boules. C'est des boules qui vous font exploser et qui vous jettent. Donc c'est les premiers à focus. Ok. Okay. Et si vous les faites exploser, eux, par contre, ça fait exploser tout le tas autour. Donc... Faites gaffe, hein, au boule. Voilà. Donc on a eu le premier.
Faites gaffe aux boules qui lancent, vous les prenez pas. Ah, y'en a qui me violent. T'aimes ça, hein? Ah oui. Le feu! Oula, je brûle. Oula, je brûle. Aïe! Bon, bah, je suis mort. Une petite reste, s'il vous plaît. Là, je suis mort. J'arrive, les gars, j'arrive. Petite reste. La reste qui fait plaisir. C'est bon, ça. Ah merde, je vais redonner sa vie. Alors, on est bon. Alors, je regarde si on n'a pas un petit truc à ramasser ici. Non, y a rien. Alors, on va regarder en bas si on peut pas passer. Sûrement. D'ailleurs, j'aime bien la petite référence à Game Workshop. Game Workshop. Avec le marteau de Warhammer 40 000. Les gars, aidez-moi, aidez-moi. Merci. Voilà. Non mais on va nulle part là. La connerie, ça. Je voulais vous faire tomber dans l'eau. Alors... Arrêtez les gars. Putain, c'est le marin. Putain, on peut pas remonter. Putain de merde. Ce pied d'un con. Oh putain. D'ailleurs, est-ce que tu sais en Norvège sur les... toutes les maisons avec les toits en herbe comment ils tombent? Toi, tu décides de raconter une histoire pendant les cinématiques. Ouais, tu disais. Est-ce que tu sais comment dans les maisons en Norvège qu'ils ont des toits en herbe comme ça, comment ils tondent? Ils ont des toits en herbe, les mecs? Ouais. Non? Avec des chèvres. Ils tuent une chèvre sur toi, ouais. Donc des fois tu te bats et puis tu vois une chèvre sur un toit de maison en train de brouter. D'accord. C'est à l'ancienne. Putain, ça Norvège. Doit être solide la toiture quand même. Hein. Ouais, ça coûte pas très cher, c'est joli bien, c'est sympa. Ah, c'est efficace. Hey, merde. attention, alors attendez. Là, oh, on va faire efficace, les gars. Vous allez concentrer tout dans la terre. C'est ce qu'il y a de plus puissant. Vous mettez tout dans la terre, vous concentrez au max la boule de feu, la boule de terre, le caca. Là. On va lui balancer en même temps, les gars. Skiwe, c'est bon, les gars? 3, 2, 1, go! Oh, headshot. On l'a fumé. Alors, je vais voir s'il n'y a pas un petit truc à ramasser. Non. Ah si, il y a une épée ici. Hop. Et il y a un élan, quoi. Ouais, il y a surtout un élan. Alors, l'épée qu'on a ramassée, le gramme, dégâts physiques moyens, spécialité tueuse de dragon. Donc on la prend, c'est toujours mieux que ce qu'on avait avant. Aïe! Je vole! Eh non mais ça arrivera tout le temps ça. Attends merde, comment je te raise? C'est ça et ça, excuse-moi. Hop. On est bon. Alors, petit point de contrôle, je l'active tout de suite. Hop. Attention les gars, il y a du monde autour. Ah. Voilà, ça c'est fait. Héron et bois. Ouf. Tiens. Je vais faire un strike. Avec strike et tout le monde. Bim. Ça fait rien ça. Attention les gars. J'ai un poumon. Il m'en reste déjà. Arcane. Oh putain. Je vais te raise, je te raise. Tiens. Oula. Putain. Ah, tiens, il est mouillé. L'électricité, moi, ça va lui faire du bien. Ouais, à toi aussi. Oui, ouais, Skiwe, t'es mouillé? Non, c'est bon. Bon, on est bon, on s'en est sorti. C'est vraiment pas simple parce que t'as tellement de combinaisons de touches que tu sais pas quoi faire, tu t'en mêles. Ah bah ouais. Ça fait plaisir d'avoir autant de possibilités. Limite, faudrait un qui asperge. Bah, t'as pas moi. Oh, je suis mort, les gars, je suis mort. Je me suis auto-kill. Préparer l'éclair. Quelqu'un peut me raise?
Ouais. Alors, c'est... Merci. Merde. Ah, je suis mort. Mais foutez-moi la paix. C'est vous. Putain, je suis gelé. C'est qui m'a gelé? Merde. Ah, c'est moi. Non, mais qui me gèle là? C'est pas possible ça. Je sais pas. Attends, je vais te choper. Poussez-vous. Oh putain, comment t'as fait ça? C'est le dernier sort que j'ai oublié. Voilà, donc en gros, faut traverser la forêt, ça a rien de s'éterniser là-dessus. Je peux pas passer, je me sens carotte. Ok, on est bon les gars. Donc on peut pas passer par ici, aucun moyen de péter le truc. Il va falloir qu'on... c'est comme dans Pokémon. Oh non, un buisson, je ne peux pas passer. Ouais, c'est ça. Je ne peux pas enjamber le buisson. Aïe. Il y va. Alors, attention les gars, attention. Oui. Putain, vous êtes en train de cramer. Notre vie comme des cons là. Voilà. C'était notre technique suprême. Attention, attention. Ah bon. Oh, c'est cool, ça les a tous trempés. Mode éclair, les gars, mode éclair. Ouais, mettre un coup de feu, par contre, avant. Ouais, 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 se mettre un petit coup de feu, ouais. Putain, on se voit à peine. Oh, bordel. Attends, arrête, arrête. Je suis où, là? Merde. Ah, je suis mort. Bah, on est tous morts. Ouais, on a pris cher. Tu nous as défoncé. Les mecs sont costauds, hein. Les mecs sont costauds. Bon, on va retenter, c'est notre premier échec, c'est pas grave. Je me souviens que je suis mort souvent ici. Oh putain, tu me fais mal avec ton éclair là. Désolé. Ah, zut. En fait, je pensais avec Severix Attack, tu pourrais presque configurer du coup les combinaisons de sorts et puis. Ah ouais, mais tu vas nous saouler au micro. Ouais, non, ouais, ça serait souvent, mais pour le mec qui joue tout seul. Je vais faire une pluie de météorites, les gars. Protégez-moi, les laissez pas nous approcher, vous faites des boules qui les font dégager. On fait des un bouclier. Ouais, faut vous focussiez les archers en fait. Merde, c'est ce que je vais faire. Ouais, je vais mouiller tout le monde. Pluie de météorites. Ah, je suis mort. Il te reste, s'il vous plaît. Vite la reste. Eh ben on est bon. C'est vrai celui-là là. Hop. On a après annulation, alors je sais pas trop à quoi ça sert mais on verra ça en off. Je dirais que c'est annul mais bon. On avance peut-être. Allez. Ouh. Attendez, on va refaire la combinaison de tout à l'heure. Ça marche. Ah merde, attends, comment j'annule un sort? Avec annulation. Ah c'est bien ça, les gels. Faites gaffe, y'a le gros. Putain, faut que je l'arrête lui. Je vais l'arrêter, voilà. J'ai un buisson quand tu es comme un con. Je passe ici. Oh bon. Vous avez vu le ricochet de ma pierre? Ouais, j'ai pas fait gaffe. Merde, j'allais le chauffer comme un gogol. Eh putain, on est enfermé là. Merde, pardon. C'est là, derrière, ok, je t'ai vu. Ouais, ouais, ouais. Ok, bah on est pas mal. Je vais rester sur... Non, faut que j'aille sur pluie, ouais.
Occupez-vous des mecs en bas, je m'occupe de lui, les gars. Oh putain. Merde. C'est un fail, pardon. Ouais, j'ai vu ça. Attends, hop, je repère la pierre. Allez. Merde. Allez, hop. Bien joué. Merde, hop. On va aller voir dans son truc s'il y avait pas un truc à ramasser. Oh merde. Un peu latéral. Attends, ouais, je te laisse. Oh là là. Voilà, allez, on concentre la pierre, les gars. Alors, oui. Par contre, c'est. Ouais, reste pas derrière, Almout. Non, mais là, tu vas tuer ce qui est où, là. Oh putain, j'ai raté ma pierre. On va y arriver. Voilà. Apprends le respect. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le frigo? Oh, un petit bâton de glace. C'est pas mal, ça. Et quand tu meurs, tu perds ce que tu récupères ou tu le gardes? Je sais plus. Oh, le chien. Non, mais comment ça? Moi, je vous en mets un de glace. Ça va bien vous faire chier, ça. Ah, les mecs, ils commencent à... On a fait un truc pas mal là. Ah oui, c'est... Merde. Voilà. Ah putain. On est bon. Oups. Oh putain, les mecs. Vous vous mettez mal tout seul, les gars. Personne pour se tuer. T'as très bien tout seul. Mais carrément. Je suis bon, vous avez pas le bâton, les gars, vous? Non. Bah non. Non, je pense pas que ça duplique. Non, je crois pas. Alors, premier boss, les gars, on va en rester là pour aujourd'hui. Ouais, il est trop mignon, j'en veux un. On peut le garder. Alors, attention, pour le buter, il va falloir. En fait, il est touchable qu'à la tête. Et pour le toucher, le seul moyen, c'est de se mettre soi-même des protections sur soi. Pour ensuite... Merde. Exemple. Merde, c'est pas ça. Voilà, et là, il se fait mal tout seul, en fait. Mais vous pourrez pas le toucher au-delà de ça, en fait. Oh, putain, il arrive sur moi. Attends. Hop, ressuscité. Vas-y. Ah oui, ok. Allez! Ça. Ah voilà. Allez! Allez, viens! Petit! Eh merde! Hop, rassure, résurrection. Attention, hein, il t'en met quand même, hein! Aïe! Ah, mais. Peut-être tu m'as bousculé! Bête. Je nous protège! Bien. Oh la pute! D'accord. Petit coup de raise. Un raise de masse. Oh putain, je vais redonner de la vie, je crois, les gars. Ah, je suis en train de brûler! Je comprends plus rien! Je suis mort. J'ai pas compris. Petit raise. On l'a eu, les gars. Je t'ai rien pigé. A chaque fois je réapparais dans les flammes. Oh, il m'a fait tomber, ce con. Ah, t'es... Tu sais que c'est déverrouillé, Solid Snake. J'ai rien foutu, je me suis... J'ai rien foutu. Ah, là j'avoue, il m'a tout fait. Là, nous étant touristes, là avec les photos, appareil photo, selfie. Bah ouais, en fait... Ah, attends, on ferme notre gueule. Après avoir sauvé le village de Veidithorpe et tué le serpent Jormungandr,
Leur voyage mena les magiciens sur les terres venteuses de la côte de Halodi. V'là la gueule des magiciens, quoi. Les rumeurs de la présence de Pierre Miom Mibet. T'as vu, il y a du café froid sur la droite. Des colons, ouais, j'ai vu ça. C'est le café des entreprises, ça. Ouais. Le café à 50 centimes, là, jus de chaussettes. Quasi les aidant dans leur quête, les magiciens se sentaient en sécurité et n'envisageaient pas l'échec. Bah écoutez les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime ou un commentaire si c'est le cas, voire vous abonner si c'est pas déjà fait. On vous dit tous à très bientôt, portez-vous bien et on en termine avec cette petite cinématique. Quoi, Vlad, c'est un vampire, oh, sans déconner. Oui. Je te jure. Oh putain, je m'y attendais pas. Il avait bien caché son jeu, le salaud. C'est mon comme Vlad. Et tu vois, en même temps il est de notre côté et en même temps il est un peu chelou. Le professeur Rogue un petit peu. Allez, ciao tout le monde. Salut à tous. Oh, plus.